final. Son solo sueños que repiten y que voy buscando. Son los sueños que no volverán. Solo dime cuándo despertar y dime quién eres. Mon fils n'est pas un drogué, ce n'est pas à lui tout ça, ça appartient sûrement aux autres. Alors, finissons-en tout de suite, et s'il faut payer, je paierai. Soyez patient, monsieur Vargas, asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur l'agent, vous pouvez me dire où est ma fille? Son nom, c'est Monica Roman. Et est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé? Vous l'avez arrêtée? Pour consommation illicite et tapage nocturne. Je vous demande pardon? Une bande de jeunes faisait du raffut dans un espace public et... certains ont été interpellés pour vente et usage de drogue. Quoi? Non, monsieur l'agent, vous devez faire une erreur. Ma fille ne toucherait jamais à la drogue. Nous ne savons pas encore s'ils feront l'objet d'une arrestation. Votre fille est en salle d'interrogatoire. Vous êtes en train de l'interroger? Mais est-ce qu'elle risque d'aller en prison? Si aucune charge n'est retenue contre elle, elle pourra rentrer. Vous allez devoir patienter. Mais, dis-moi... tu es bien avocate à la cour, non? Ivan, je ne suis pas avocate. L'ambassadeur n'a pas compris ce que je disais, il était rond comme une queue de pelle. Qu'est-ce que tu fais alors? Eh bien, je travaille dans le service après-vente d'une entreprise. Oh, Dieu merci. En voyant ta tête, j'ai cru que tu allais me dire que tu étais une tueuse en série. Pourquoi tu ne m'as rien dit? On est allé au bar, ensuite chez moi, tu aurais pu. Pour être honnête, parce que je n'en voyais pas l'intérêt. Ça peut paraître idiot, mais je pensais qu'il valait mieux ne rien dire. Je ne pensais pas te revoir un jour. Je reviens vite. Oh non. Reste là. Bon, mais... dépêche-toi, alors. Ne t'inquiète pas, on a toute la vie. J'en ai pour 10 secondes. Dépêche-toi. Je reviens. Il faut. Chérie. Réveille-toi. C'est drôle. Je n'avais jamais entendu parler de cette boîte. Enfin bon, ça me va très bien. Quoi? Parce que tu n'es pas avocate et je préfère ça. Les avocats ne prennent jamais le temps de vivre. Ils travaillent sans arrêt, même le week-end. Je travaille le week-end, moi aussi, tu sais. Non, mais je rêve, là. Si je comprends bien, quand on fait la fête le week-end, on est forcément à droguer. C'est une belle preuve de confiance, ça, papa, merci. Hé, hey, oh, tu te tais maintenant. On va ramener Laura chez elle. Monsieur Vargas, je vous remercie beaucoup, c'est très gentil. T'as une dette envers moi, n'oublie pas. Vous direz à votre fille qu'elle pourra me remercier de ne pas avoir porté plainte pour agression. La prochaine fois qu'elle me cherche, eh ben elle me trouvera. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est qui celle-là? Tu la laisses te parler comme ça? Cette fille est dans la même classe que Monica. Oh. Oh. Maman,
Comment tu n'imagines pas? Quand les policiers m'ont interrogé, ils pensaient que je faisais partie de la bande. Et ils ne m'ont même pas laissé m'expliquer. Oh, ma chérie, tu as dû avoir tellement peur. Oui, et je ne pouvais même pas t'appeler parce que j'ai perdu mon téléphone. Je te présente, Ivan. C'est un ami à moi, il m'a accompagnée ici. Comment vas-tu? Enchantée. Bonjour. Tu n'imagines même pas dans quel état était ta mère. Je ne voulais pas te faire peur, maman. Ne t'en fais pas, viens, on discutera à la maison, tout va bien maintenant. Ivan, je te remercie de m'avoir accompagnée. Pas de problème, j'étais heureux de pouvoir t'aider. Bien, alors à bientôt, peut-être? Non. Je veux dire, je vais vous raccompagner chez vous. Vous n'avez quand même pas l'intention de rentrer seule à cette heure-ci? Enfin, j'espère. Non, non, pas besoin. Ne t'en fais pas, on a l'habitude de n'être que toutes les deux. On se débrouille très bien. Oui, je n'en doute pas. Vous avez l'habitude de vous débrouiller seule, mais je suis un gentleman et je n'ai pas l'intention de vous laisser là toute seule dans ce patelin. Et puis, ça ne me dérange pas. Allez, en voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Allez-y, grimpez. C'est juste là. C'est là que vous habitez? Oui. Tu as une très belle maison. Merci beaucoup, Ivan. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Je ne te remercierai jamais assez. Avec plaisir. On y va, Monica? Oui, oui. Au revoir, Ivan, et merci. Bonsoir, Monica. Si tu tiens à me remercier, accepte de sortir avec moi samedi. Je te promets qu'on va s'amuser. Je ne sais pas, on peut prendre la voiture, aller se balader, faire un tour en mer, c'est comme tu veux. Rien que toi et moi? Oui, mais pas besoin de t'affoler, je prendrai soin de toi. Oh, Ivan, tu sais que vraiment. Si tu me dis non, je resterai parqué devant chez toi toute la nuit et demain soir et encore le lendemain pendant 2, 3, 4 jours. Je suis quelqu'un de très tenace, tu sais. Non, non, c'est d'accord, j'accepte. Samedi soir? Samedi soir. Très bien. 8 heures. À samedi. Bonne nuit. Toi aussi. On fait quoi s'il reste là? J'en sais rien. Il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il s'en aille. Il est parti? Oh, enfin. Maman, comment tu as pu lui faire croire qu'on habitait ici? Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Il faut que tu arrêtes de lui mentir. Je vais être obligée de continuer à lui mentir, étant donné que j'ai accepté de sortir avec lui samedi soir. Non, mais tu rigoles, j'espère. Reviens ici. Allô?
Florencia? C'est moi. Je sais qu'on s'était mise d'accord pour ne pas s'appeler avant que tu n'arrives au Panama, mais... j'avais besoin de parler avec toi. Dis-moi, comment tu vas? Comment je vais? Tu veux savoir comment je vais? Eh bien, je vais te le dire! Qu'est-ce que tu crois après tout ce qui s'est passé hier? Pourquoi ne pas simplement me dire que tu ne m'aimes pas? Mais enfin, de quoi tu parles? Oh, tu oses me poser la question? Hier, quand on s'est embrassés, j'ai bien vu ton air dégoûté. Et ensuite, pendant la soirée, je t'ai vu avec Felipe, qu'est-ce que tu crois? Oui, j'ai tout vu, tout. Et toi, tu ne m'as même pas remarqué. J'ai vu comment tu le regardais, comment tu l'embrassais. Tu ne m'embrasserais jamais avec autant d'amour. Qu'est-ce qui t'arrive, Véronica? Je ne comprends pas ton comportement. Je pensais te connaître, mais... tu as changé du jour au lendemain. Véronica, dis-moi ce que je dois faire. Si je fais tout ça, c'est pour ne pas éveiller de soupçons. Combien de fois je vais devoir t'expliquer, bon sang? Tu crois que c'est facile pour moi de prétendre que tout va bien avec mon propre mari? Et si je dois l'embrasser, je le fais. Mais je te l'ai dit, je fais semblant. C'est vrai. Tu joues vraiment la comédie. J'en ai ras-le-bol de tes histoires, Florencia. Il faut que tu te calmes tout de suite. Finis de transférer l'argent, fais tes valises et rejoins-moi au Panama. Tu t'en sens capable, oui ou non? Rends-toi compte, c'est la dernière ligne droite, Florencia. Il ne reste que quelques détails à régler et on pourra tourner la page. Mais il faut que tu restes calme. On doit pouvoir se faire entièrement confiance. Je te le demande une dernière fois, Florencia. Je peux compter sur toi? Oui. Tu peux compter sur moi. Tu pourras toujours compter sur moi. Cecilia, attendez s'il vous plaît. Ces papiers appartiennent à Don Felipe, ils étaient dans la voiture. Pouvez-vous les déposer à son bureau pour moi? Bien sûr. Cecilia, je suis désolé de ce qui est arrivé. Allez, Lucas, dis-moi. Arrête, d'accord? Ça te regarde absolument pas. Bien sûr que ça me regarde, je t'ai vu prendre ces pilules hier soir. Tais-toi. Pas un mot à ce sujet. Très bien, mais je veux que tu me répondes. Bonjour. C'est pas la première fois que je prends de l'ecstasy. Ne me dis pas que ça te choque. Bien bon. Et ça fait quoi? Dis-le-moi et je promets de ne plus t'embêter avec cette histoire. Cecilia? Mais où étais-tu passée? J'ai dû manger des céréales. Oh, mademoiselle Gabriella... Je me suis fait agresser hier. Et ce matin, j'ai dû... Oui, bon, Cecilia, on se fiche de tes problèmes, d'accord? Prépare-moi plutôt des œufs, s'il te plaît. Tout de suite. Je vous prépare une assiette aussi, mademoiselle Gabriella. Non, Cecilia, j'ai plus le temps maintenant, j'ai cours. C'est quoi que tu as sur la figure? C'est ceux qui t'ont agressé quand t'en fais ça? Maman, tu ne vas pas travailler aujourd'hui? Madame Amalia m'a dit que je pouvais prendre ma matinée pour compenser la journée que j'ai faite hier. J'ai dû faire 2 tournées de nettoyage. C'est super, tu vas pouvoir te reposer. Oui, enfin, tu sais que c'est un peu de ta faute, tout ça. Maman, je t'ai déjà dit que je n'y étais pour rien. Bien sûr que c'est de ta faute. C'est toi qui laisses cette fille te pousser à bout. J'allais pas me laisser faire et cette peste disait des choses méchantes sur toi. Et qu'est-ce que tu comptes faire quand tu seras au lycée, hein? Tu vas attaquer tous ceux qui t'embêtent? Non, bien sûr que non, mais... J'espère bien. J'ai travaillé bien trop dur pour t'obtenir la moitié d'une bourse. Tu n'as pas intérêt à tout ficher par terre. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas ruiner mes chances d'être admise au lycée. Je préfère ça, Monica. N'oublie pas qu'il faut que tu obtiennes une bourse complète. Alors ne te fais pas remarquer. Je le sais très bien, maman. Bien, alors essaye de réfléchir avant d'agir. Ça te va bien de me dire ça? Pardon, mais c'est pas de moi dont il est question, mais de toi. Ce n'est pas moi qui ai laissé Ivan m'accompagner au commissariat. Tu lui as raconté qu'on vivait dans je ne sais quel palace et que tu travaillais pour je ne sais qui. Et malgré tout, tu as accepté de le revoir samedi soir. Ce n'est pas ce que j'appelle réfléchir. Oh, mais détrompe-toi, je compte lui dire un jour la vérité. Je dois simplement réfléchir à comment lui annoncer. Je pense que ça va être très difficile. Il est raide dingue de toi, maman, ça se voit.
Felipe, réveille-toi. Bonjour. Bonjour. Je t'ai laissé dormir un peu. Tu as beaucoup travaillé ces derniers temps. Mais là, tu as un déjeuner de prévu avec les investisseurs. Il ne faut pas que tu sois en retard. Il est quelle heure ? Il est encore tôt. Tu as le temps. Non, il faut que je me lève. Tiens, c'est de l'aspirine pour ta tête. Et là, ton café. Merci. Oh, ma tête. Eh oui, je vais t'aider. Viens. Merci. Oh, ma tête. On a dû pas mal boire hier soir, non ? Je n'avais pas autant bu depuis 2 ou 3 ans au moins. Mais tu sais quoi ? Ça en valait la peine. Tu m'as dit pas mal de choses bizarres hier soir. Ah, désolée, je n'étais pas vraiment dans mon état normal. Tu ne te rappelles de rien ? Non, pas du tout. Il y a certaines choses qui sont encore un petit peu floues. J'espère que tu n'as pas oublié la meilleure partie. Je me souviens qu'on s'est bien amusé ensemble à la soirée et qu'on a bu beaucoup. En fait, tout est clair jusqu'à ce qu'on rentre. Après, c'est le noir total. Santos a dû se dire qu'on était fous. On n'arrêtait pas de rigoler, de s'embrasser, de se faire des câlins. De vrais adolescents. Et puis on est arrivé ici, Gabriella nous a surpris et on a filé tout droit dans la chambre. C'est ça. Hier soir, c'était comme si on faisait l'amour pour la première fois. C'était merveilleux. Bon, ça aurait pu être encore plus parfait, mais quand je suis allé chercher un préservatif, tu t'es endormi aussi sec. C'est tout ce qui s'est passé. Ouais. J'ai essayé de te réveiller, mais tu étais tellement belle et tu dormais comme un bébé. J'étais fatigué, j'ai beaucoup bu aussi et je me suis allongé près de toi et je me suis endormi. Donc tu veux dire qu'il ne s'est rien passé, rien du tout. Rien du tout. Vous n'aviez pas besoin de venir si tôt. Je ne voulais pas que quelqu'un me voie venir ici. Restons discrets. Mais allez-y, faites ce que vous avez à faire. Ne vous préoccupez pas de moi. Je peux patienter. Ne fumez pas à l'intérieur, s'il vous plaît. La fumée me dérange. Je n'aime pas ça. Ah, la fumée vous dérange, mais ça ne vous pose pas de problème de tuer votre sœur. Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac ? Mes outils de travail. Vous voulez donc que j'endorme votre sœur et que j'attende que l'autre arrive pour les tuer tous les deux en même temps. Je vais devoir poireauter un bon moment. Oui, je préfère. Je ne veux pas que leur mort soit espacée de trop longtemps. Il ne faut pas que la police suspecte un meurtre. J'imagine que vous n'allez pas vouloir rester ici attendre pendant tout ce temps. Non, 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 non. Je vais trouver un prétexte, lui dire que je dois lui rendre ses affaires et puis je sortirai par la porte de derrière. Et donc, c'est là que vous faites ce que vous avez à faire. Prévenez-moi quand c'est terminé. Est-ce que je dois les tuer d'une seule balle ? Parce que le suicide amoureux a forcément un côté un peu plus passionnel, un peu plus crédible, non ? Parce que, croyez-moi, une femme avec une tête pareille, c'est bien le genre à se faire sauter la cervelle. Bien, vous savez quoi ? Agissez comme bon vous semblera. Dites-moi seulement quand c'est fini, ok ? Ok. C'est génial, on aura plein de choses à fêter demain. Je t'aime. Mon amour, qu'est-ce que tu as ? Tu n'es pas contente de partir en week-end sur le yacht ? Tu as l'air triste, ça ne va pas ? Si, bien sûr. J'en rêve de ce week-end, juste toi et moi et l'océan. J'aimerais que ce soit toujours comme ça. Alors ? Mon amour, dis-moi, qu'est-ce que tu as ? Je suis fatiguée. Je suis susceptible en ce moment. C'est comme si mon corps et mon cœur refusaient de te quitter, même une seconde. Je reviens vite, mon amour. Je
Je te promets que ce week-end, nous aurons 3 jours rien que pour nous. J'aimerais pouvoir appeler Ibera et les investisseurs pour annuler ce rendez-vous. Et leur dire d'oublier le déjeuner et de signer ces satanés papiers sans moi. Mais je ne peux pas. Bien sûr que non. Ne t'en fais pas pour moi. Ça va aller. Tu es sûre? Oui, je te répète, tout va bien. D'accord. On se voit ce soir pour le dîner. Ok? Felipe? Oui? Cette nuit, c'était la lune des plus belles de ma vie. Je voulais que tu le saches. Il y en aura beaucoup d'autres. Je t'en fais la promesse. Est au courant de ce qui s'est passé hier? Non, il ne sait rien, il est rentré tard, et toi? Oh, non. Je lui ai dit que je révisais chez un de mes potes. T'imagines si la police m'avait arrêté? J'aurais dû trouver une bonne excuse. Ça te dirait de... Elle est pas intéressée. Attends. J'y vais. Qu'est-ce que tu veux, Federico? C'est comme ça que tu traites un ex-tolar? Tu as passé la nuit au poste? Jusqu'à 3h du mat. Mais je suis quand même venue en cours pour te voir. Arrête un peu de mentir, Federico. Je te jure, je te mens pas. Quand je t'ai vu hier avec cette robe, oh, je suis tombé sous le charme. Retour à la réalité. Pardonnez-moi, Madame Véronica, je venais nettoyer la chambre. Vous alliez sortir? Oui, mais enfin, qu'est-ce qu'il vous est arrivé, Cécilia? Madame Véronica, si vous saviez, je me suis fait agresser hier soir. Les voleurs ont pris tout l'argent que vous m'aviez donné. Cécilia, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, eh bien, hier, 2 jeunes avec des cagoules se sont approchés de moi dans la rue et ils m'ont violemment arraché mon sac. Il y avait tous mes papiers dedans et tout mon argent. Cécilia, mais est-ce que vous avez prévenu la police? Pourquoi faire, Madame Véronica? Je n'ai même pas pu voir leur visage. À quoi bon aller voir la police? Elle se fiche pas mal des gens pauvres. Cécilia, c'était l'argent que vous gardiez pour la fête d'anniversaire de votre fille. Oui. Écoutez-moi, ne vous inquiétez pas. J'ignore comment, mais je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Madame Véronica, merci pour votre gentillesse et votre compréhension. Oh, mais surtout, je vous remercie de me traiter comme un être humain. Oh, Cécilia, vous allez me faire pleurer. Il est important que jamais vous n'oubliez que personne ne doit vous traiter autrement. Oui. C'est d'accord? Oui, madame. N'oubliez pas que vous êtes quelqu'un de bien, Cécilia. Je vous remercie. Merci.
Félicitations. Félicitations, Antonio. Monsieur Ibera, merci beaucoup. Alors dites-moi, messieurs, avec quel poisson allons-nous fêter cela? Avec un bon vieux whisky. Parfait, parfait. Par ici, messieurs, faites comme chez vous. Messieurs, navré que vous deviez nous quitter si vite, j'aurais aimé vous emmener dîner. Et si ça ne tenait qu'à moi, je retournerais au... Au bataillon. Bataillon, c'est ça. C'est sans aucun doute le meilleur restaurant de toute la ville. Mais il aurait fallu que votre moitié se joigne à nous. C'est une hôte vraiment charmante. C'est vrai, il n'y a qu'elle qui peut s'occuper de personnes aussi spéciales. Santé. 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 Il faut fêter ça. Oui, nous n'y manquerons pas. Felipe, peux-tu aller vérifier que la transaction bancaire a marché, que ces messieurs partent l'esprit tranquille? C'est fait, papa. Je te confirme que l'argent est bien arrivé. Parfait. Eh bien, apportons un toast à notre nouvelle collaboration. Allez, un con. Et à notre amitié. Santé. Eh bien, un petit verre. Excellent, excellent. Si, c'est évident. Bien sûr, bien sûr. Bonjour, messieurs. Bonjour. Je vous présente Julieta Celis, notre coordinatrice d'événements. Enchantée. Elle devait s'occuper de vous hier, mais elle a eu un accident. J'avais tout préparé pour votre arrivée. Ouais, je sais pas. Je suis vraiment navrée de n'avoir pu être là. Ah, et vous êtes donc celle qui avait eu l'idée de nous emmener au bataillon. Non, ce n'est pas vraiment le genre d'endroit dans lequel j'avais l'intention de vous emmener. Hein? Eh bien, j'espère ne pas vous offenser en disant cela, mais je suis heureux que vous n'ayez pas pu venir. Je ne m'étais jamais autant amusé de toute ma vie. Je vous assure. Vraiment? Qui a eu cette brillante idée? Véronica. Elle s'est occupée d'absolument tout. Ah, eh bien, j'en suis ravie. L'important n'est pas avec qui vous étiez, mais que vous vous soyez amusé. Et dites-moi donc, Felipe, où est votre femme? À la maison. Elle se remet doucement de la soirée. Je comprends. Et quelle soirée! Je ne vous le fais pas dire. Oui. Santé. Santé. Felipe, Cecilia s'est fait voler son argent hier. Refais-lui un chèque, s'il te plaît. Elle en a vraiment besoin. Viens par là. Quoi? Chut. Nata, j'attendais ton appel. J'imagine que tu es en route pour l'aéroport. Oui. C'est fini, Léo. Tout est fini. Peu importe ce qui arrive à partir de maintenant, ça n'a plus d'importance. Et comment tu te sens? Bien, je vais très bien. Ne t'inquiète pas, Nata. Tu verras, dans quelques jours, tu auras oublié tout ce qu'il s'est passé. Il va me falloir plus que quelques jours. Mais oui, il n'y a qu'une chose à faire. Essayez d'oublier. Hé, Léo, j'aimerais autant que tu ne m'appelles pas sur ce téléphone. Au revoir. Ok, ok. Bon, ben, rappelle-moi quand tu seras à nouveau toi-même. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? D'ailleurs, je voulais te dire, dès que tu arriveras à Mexico, il faudra que tu viennes vivre chez moi. Tu ne peux pas retourner chez toi, c'est dangereux. Pas tant que l'on ne saura pas dans quel pétrin Saul t'a mise. On raconte ça au patron? Non. Non, c'est pas la peine, t'inquiète pas.
Elle est en route pour le Panama et tout est déjà prêt. On le préviendra quand le type aura la fille. Nous sommes ravis de vous avoir reçu. Oui. De même. N'hésitez pas à venir nous rendre visite si vous passez dans le coin. Merci, merci beaucoup, Antonio. Ah oui, je ne regrette pas d'avoir fait affaire avec vous. De même pour nous. À très bientôt, Felipe. À bientôt. Ah, savez-vous quand il compte nous obtenir la classification que l'on a demandée? Le mois prochain, si tout se passe bien. Tenez-moi au courant. Je n'y manquerai pas. Votre taxi est là. Au revoir. À bientôt. Venez, venez. Cecilia, c'est moi. Vous pouvez me passer Véronica? Elle est sortie? Très bien, merci. Je vais essayer son téléphone. Chérie, c'est moi. Je t'appelais pour te dire que les investisseurs viennent tout juste de partir. Tout s'est très bien passé. Ils t'envoient leurs amitiés. Je veux que tu saches que c'est aussi une victoire pour toi. Tu me rappelles? Appelle-moi quand tu peux. Je t'aime. Sont priés de se présenter à la porte d'embarquement numéro 5. Allô? Natalia? C'est moi, Véronica. Je voulais savoir si tout se passait comme prévu. Ils viennent d'annoncer mon vol, je ne vais pas tarder à décoller. Parfait. On se voit bientôt, alors. Je vais enfin rencontrer Martin. Il est avec toi? Non, il est parti tout à l'heure. Il est avec son papa. D'accord. Tant pis. Natalia, je te remercie de m'aider à mettre de l'ordre dans ma vie. Je t'en prie. Je suis contente de t'aider. Tu es ma sœur. Oui, elle est dans l'avion en ce moment même. On a réussi, Lorenzo, on a réussi! Oui, je sais. On ne s'emballe pas avant que tout soit bel et bien fini. Mais je n'arrive pas à croire que l'on va bientôt pouvoir être libre. Dans un mois, toi et moi, on sera en Australie avec 10 millions à la banque. Et tout ça ne sera que de l'histoire ancienne. Oui, je t'appelle quand tout est fini. J'ai hâte, moi aussi. Je t'aime, Lorenzo. Je t'aime aussi, Véronica. Salut, c'est moi. Oui, tout va bien. Oui, elle est en route. Parfait. Tu lui as donné toutes les infos pour que personne ne puisse la suspecter? Pour le moment, je ne lui ai dit que le strict minimum. Bien sûr qu'ils vont se rendre compte qu'elle est bizarre, Lorenzo. Ne t'inquiète pas, le plus important, c'est qu'elle nous aide. Quand ils découvriront qu'elle a des comptes au Panama et que c'est elle qui les a volés, ils comprendront alors pourquoi ils trouvaient qu'elle était bizarre. Est-ce qu'elle a cru à ton histoire de cancer et de bébé? Elle a pleuré à chaudes larmes. Je sais être convaincante quand il le faut. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle ait parlé de moi à un ami. Il s'appelle Leonardo Tenonio. Elle lui a dit qu'elle me rendait visite. Bien, on décidera quoi faire plus tard. Pour le moment, on reste tranquille. Véronica? Qu'est-ce que tu fais là? Lorenzo? Je croyais que ce soir tu dînais avec mes parents. Non, non, je suis en route. Je suis dans la voiture de Lorenzo. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Impossible de les différencier. Elles ont la même gestuelle, la même marque de naissance sur la joue. C'est impressionnant. C'est comme regarder dans un miroir. Incroyable. Felipe... Mais laisse-moi t'expliquer. Frérot? Ouais, t'inquiète pas, on sera bientôt là. Et laisse Véronica tranquille, elle est déjà assez stressée de se savoir en retard. On sera là d'ici 10 minutes. Ok?
Merci beaucoup. De rien. Très bien, c'est noté. Je serai prête vendredi pour le voyage. D'accord, à bientôt. Tu pars vendredi ? Mon amour, où étais-tu passé ? Tu as disparu tout d'un coup ? Je te croyais pas. Elle était dans la salle de bain et en sortant, le talon de sa chaussure s'est cassé. Je l'ai vu au moment où je fermais le magasin. En fin de compte, frérot, c'est bien pratique d'être le vendeur d'un magasin de bricolage qui vend des choses aussi futiles que... de la colle, par exemple. C'est pas vrai? Bien sûr, bien sûr. Rentrons. Allons-y. Petite idiote, combien de fois je vais devoir lui sauver les fesses? Comment je pouvais deviner qu'elle allait venir ici? Tu lui as dit de rester là où elle est? Peu importe, elle se moque de ce que je peux bien lui dire. Ça entre par une oreille et ça ressort par l'autre. Ce n'est qu'une idiote. Elle a dit quoi? Elle s'inquiète de mon problème avec la drogue. Elle pense que tu te drogues, Véronica. Pourquoi tu lui as dit ça? T'aurais dû trouver autre chose. Ah oui? Et j'étais censée dire quoi, hein, Einstein? Non, Natalia, ne t'inquiète pas. Je ne me drogue pas vraiment. En fait, assister aux réunions des narcotiques anonymes, ça fait juste partie de mon plan pour te faire assassiner. Finalement, ta sœur n'est pas aussi difficile à manipuler qu'on pouvait le croire. Mais maintenant qu'elle connaît Florencia, on ne sait pas ce qu'elle pense d'elle. Il faut à tout prix empêcher Florencia et Natalia de se croiser. J'ai réussi à calmer Florencia cette fois-ci. Mais si elle croise à nouveau Natalia et qu'elle se met à avoir des doutes, notre plan va se casser la figure. Je m'occupe de tout. Comment se déroule ton plan? Bien. Marco a déjà contacté son homme de main et selon lui, c'est un vrai professionnel. C'est fait, je viens de parler à Natalia. Tu lui as expliqué pour les deux téléphones? Elle doit me prendre pour un bon samaritain à l'aider toutes les 5 minutes. Si elle savait. Je l'ai aussi prévenue à propos de Florencia, juste au cas où je ne pourrais pas les empêcher de se voir. Alors croisons les doigts. Je ne comprends pas. Tu sais combien de fois je lui ai dit de ne pas se servir de ce téléphone? Je sais, mais on ne pouvait pas prévoir que mon idiote de nièce allait s'en mêler. Ça, c'est sûr. D'ailleurs... est-ce que tu as découvert qui lui a téléphoné? Non, mais ça devait sûrement être ce Leonardo dont elle t'a parlé. Appelle-la. Je vais l'appeler tout de suite pour lui dire que ça pose problème. Et elle aura intérêt à m'écouter ce coup-ci. Ne sois pas tendre avec elle, Véronica. Sers-toi de ton histoire de cancer ou ce que tu veux tant qu'elle arrête de mettre son nez partout. Florencia? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes venue avec quelqu'un? Non. Il se fait tard, vous devriez rentrer chez vous maintenant. Oui, monsieur. Bonsoir. C'est moi. Je suis à une soirée avec les investisseurs. Et qu'est-ce que tu fais là-bas? J'ai dû suivre cette idiote de Florencia. Elle s'est mise à espionner ta sœur. Ah, dis-moi, ta sœur, elle a l'air de prendre son rôle très au sérieux. Tu veux dire quoi par là? Eh bien, disons que je n'ai jamais vu Felipe t'embrasser comme il embrasse ta sœur. Mais quel garçon! Avec son visage angélique. En plus, je lui ai dit que Felipe et moi, on dormait dans des lits séparés. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient couché ensemble. Mais qu'est-ce qu'elle fiche à cette soirée? Je lui avais dit de ne pas sortir ce soir. À l'évidence, elle t'a pas écouté. Mais ce n'est pas ce qui me préoccupe. Celle qui m'inquiète, c'est Florencia. Elle est très, très jalouse. En fait... si je ne l'avais pas stoppée dans son élan, elle se serait confrontée à Natalia devant Felipe. Ah non. Ah non, Lorenzo, il faut l'éviter à tout prix. Je vais l'appeler. Non. Non, 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 pas ce soir. Attends demain pour l'appeler. Tu n'es pas censé l'avoir vue ce soir. Très bien.
Mais je n'ai qu'une hâte, c'est d'être samedi, de monter dans cet avion et de décoller en direction de l'Australie. À ce moment-là, notre argent sera à l'abri en Suisse. Et je suis sûre que ma sœur et cette idiote de Florencia seront mortes. On va enfin pouvoir être tranquille. Sin embargo, varios analistas coinciden en que si bien no tiene...